Donc, bonjour et bienvenue à, à nos participants pour cette présentation euh, qui s'intitule La profession de diététiste nutritionniste, la formation et les secteurs de pratique. Nous allons débuter euh, dans une minute ou deux. Bonjour et bienvenue à ceux qui se connectent parmi nous. Nous allons débuter dans peut-être une petite minute maximum. On va attendre que tout le monde puisse se joindre à la conférence. Vous devriez voir là, en ce moment la présentation que je partage avec vous. Donc, je pense que sans plus tarder, on va débuter. Il est déjà 10h31 et euh, si d'autres participants doivent se joindre, ils pourront là, se connecter à tout moment. Vous pouvez aussi vous déconnecter et vous reconnecter là, sans problème. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir. Pour moi, d'être parmi vous euh, ce matin pour vous présenter le programme du baccalauréat en nutrition à l'Université Laval qui mène euh, directement à l'exercice de la profession de nutritionniste. C'est un permis qui est euh, délivré là, par euh, l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Donc, dans la prochaine, euh, on dirait. On peut dire 30-45 minutes, je vais vous présenter euh, euh, la formation, les secteurs de pratique et euh, quelques éléments là, pertinents au programme euh, de nutrition de l'Université Laval. Et il me fera plaisir le, par la suite de répondre euh, à vos euh, questions. Et aussi, je vous invite à venir visiter nos installations au pavillon Paul-Comtois. Euh, il y a des visites guidées euh, qui sont euh, offertes là, euh, cet après-midi. Donc... Euh, vous pourrez le constater, le, les installations qui sont, euh, qui sont là pour les étudiants pour euh, leur euh, formation de premier cycle en, en nutrition. Donc, je vais commencer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Julie Robitaille. Je suis nutritionniste de formation et aussi professeure titulaire à l'École de nutrition de l'Université Laval depuis plusieurs années et également directrice du programme de baccalauréat en nutrition. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Donc Souvent, peut-être que vous avez entendu parler de la profession euh, des deux titres, nutritionniste, et diététiste, est-ce qu'on doit utiliser euh, un ou l'autre? En fait, les deux titres sont réservés aux membres de, euh, de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, l'ODNQ. On peut l'utiliser indifféremment là, au choix du membre. Et comme je le disais en tout début de présentation, le diplôme de baccalauréat en nutrition de l'Université Laval donne directement accès au permis de pratique qui est délivré par notre ordre professionnel. Donc, une nutritionniste, euh, qu'est-ce que ça fait en fait? Elle participe activement au maintien, mais aussi au rétablissement de la santé euh, de la population et contribue également au quotidien à la promotion de la saine alimentation et au plaisir de manger. Ce sont les seuls professionnels de la santé qui sont reconnus par le Code des professions dans le, les domaines de la nutrition humaine et de l'alimentation. C'est une profession qui est réglementée. Donc, les habiletés recherchées, ça, c'est le, le site là, de l'ordre professionnel. C'est un document là, qui vient du, de l'ordre professionnel. Évidemment, notre pratique en tant que professionnel de la santé est basée sur euh, la science, les évidences scientifiques. Donc, euh, on recherche là, des gens qui sont passionnés par la science, qui sont très curieux, qui ont une bonne curiosité scientifique. Une personne aussi qui va être très professionnelle, qui va exercer aussi dans un contexte éthique qui est vraiment important. On recherche aussi des individus qui vont exercer un très grand leadership, donc euh, auprès de leur profession, mais aussi auprès de leurs clients, parce qu'on doit amener souvent nos clients, nos patients, à faire des changements importants dans leur vie. Donc, ça prend euh, des individus qui ont un très, très bon leadership, un, un leadership qui est positif. Évidemment, l'autonomie, c'est une des qualités qui est recherchée comme nutritionniste. Vous allez travailler en équipe avec différents professionnels de la santé, mais aussi des nutritionnistes qui vont travailler peut-être en région, qui vont être la seule nutritionniste dans leur, dans leur établissement. Donc, c'est important d'être très autonome. Je le mentionnais tantôt, la curiosité. Oui, la curiosité scientifique, mais aussi la curiosité sur les aliments, les nouveaux régimes, parce que vos clients dans vos bureaux vont vous parler de la diète cétogène. Donc, faut savoir à quoi ça fait référence. Faut s'informer. Donc, avoir vraiment une belle curiosité, c'est important évidemment le jugement euh, clinique et l'esprit critique sont aussi des qualités importantes euh, comme je le dis on, notre pratique elle est basée sur la science mais on n'a pas toujours toutes les évidences scientifiques pour euh, euh, mettre en place un traitement nutritionnel donc souvent faut euh, faire preuve d'un bon jugement clinique et d'un esprit critique aussi. La créativité. Euh, des fois, on pense pas ça. On dit oui, c'est une profession qui est basée sur la science. La créativité, c'est comme un petit peu paradoxal, certains pourront me dire, mais non, la créativité, elle est hyper importante. Et quand j'enseigne, j'en fais part à mes étudiants. Je trouve qu'on l'oublie souvent parce que lorsqu'on doit développer du matériel éducatif, lorsqu'on doit mettre en place des ateliers d'éducation en nutrition, on doit faire appel à notre créativité pour mobiliser les gens. À mettre en place des changements dans leur vie. Euh, on doit mobiliser aussi les gens pour euh, qu'ils mettent en place un environnement qui va être favorable à la saine alimentation. Donc, souvent, on doit faire preuve d'une grande créativité. On doit avoir aussi une facilité à communiquer et aussi à écouter. Je crois que la communication, à mon avis, c'est central à la profession nutritionniste. On communique tout le temps. On communique avec des patients, des clients. Nos pères, nos collègues professionnels de la santé, nos directeurs d'établissement, on peut communiquer avec la population. On est toujours en situation de communiquer, de communication, soit à l'écrit ou à l'oral. Évidemment, tout professionnel de la santé doit faire preuve d'empathie. C'est le cas également pour la nutritionniste. Et aussi avoir une facilité à travailler en équipe parce que souvent, on travaille en équipe avec d'autres collègues du domaine de la santé, mais aussi des, ça peut être des collègues du, de d'autres secteurs de pratique. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de la nutrition en santé publique, vous allez peut-être travailler avec des gens de la communauté, des organismes communautaires, des producteurs de fruits et légumes, etc. Donc, c'est important d'avoir cette capacité-là à travailler en, en étroite collaboration avec nos partenaires. Une nutritionniste, c'est le professionnel dont les interventions vont favoriser les meilleurs choix alimentaires pour le développement, le maintien ou le rétablissement de la santé. Et euh, depuis plusieurs années, euh, nous avons des activités qui sont réservées. Donc, seuls les nutritionnistes au Québec peuvent poser ces actes-là, donc d'évaluer l'état nutritionnel d'une personne, ainsi que de déterminer et d'assurer la mise en œuvre d'une stratégie d'intervention qui vise à adapter l'alimentation en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir euh, la santé. Euh, on a aussi depuis... Euh, euh, quatre ans maintenant euh, des activités qui sont autorisées, donc qui sont partagées avec d'autres professionnels de la, euh, de la santé, entre autres les médecins. Donc, les diététistes nutritionnistes euh, peuvent, selon une ordonnance, procéder au retrait définitif d'un tube d'alimentation. Donc, certains patients, dépendamment de leur condition, vont avoir besoin d'une alimentation, d'un soutien nutritionnel. On appelle ça l'alimentation, par exemple, entérale. Donc, il y a un tube naso, euh, nasopharyngé qui va permettre d'alimenter euh, le patient. Donc, les nutritionnistes, maintenant, peuvent procéder au retrait de ce type d'alimentation s'il n'est plus nécessaire. On peut aussi administrer des médicaments ou d'autres substances par voie orale ou entérale. Et aussi, on peut prescrire des formules nutritionnelles nutritives, des vitamines, des minéraux, tout le matériel d'alimentation entérale et aussi les solutions d'enzymes pancréatiques en lien avec le soutien nutritionnel. Et euh, je sais que nous aurons aussi... Fort possiblement euh, d'autres activités autorisées qui sont présentement à l'étude par le Collège des médecins et les autres ordres professionnels. Donc, euh, il y a d'autres activités autorisées là, qui s'en viennent, euh, ce qui est vraiment génial, là, pour euh, la, le, 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 qui, qui démontre en fait toute l'importance du rôle de la nutritionniste là, dans le, le système de santé. Hmm. Donc là, la première partie, c'était vraiment vous donner un, petit, un bref aperçu de la profession de nutritionniste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Là, je vais maintenant entrer dans la section qui parle plus du programme ici à l'Université Laval. C'est un programme qui se réalise à temps plein sur une durée de trois ans et demi, donc sur huit sessions. Il est possible aussi de le faire là, en quatre ans. Je vais vous expliquer là, par la suite comment c'est possible. Donc en rouge, vous avez les sessions, euh, je vais utiliser ma souris, vous avez les sessions d'automne, les sessions d'hiver, ça c'est les activités, les sessions qu qui se passent vraiment majoritairement à l'université avec des cours. Vous avez entre 14 et 16 crédits euh, par session, euh, plusieurs cours obligatoires, quelques cours à option dans le domaine de la communication, de la psychologie de l'anglais et de la gestion des ressources humaines. Donc, vous avez deux ans à faire là, à l'université, à suivre des cours en classe. Et vous avez un premier stage en milieu hospitalier de six semaines à la fin de la deuxième année. Vous aurez à faire trois semaines dans le domaine de la nutrition clinique et trois semaines dans le domaine de la gestion des services alimentaires. Par la suite, vous revenez à l'Université Laval pour une session. Euh, de formation, on appelle ça théorique, mais c'est vraiment euh, des cours à l'université parce qu'il euh, y a énormément d'activités de formation pratique tout au long du programme. Euh, ces activités-là sont réparties à, euh, tout au long du programme dans la majorité des cours. Euh, je vais y revenir tantôt, là, les, les approches pédagogiques qui sont utilisées. Et vous terminez votre programme par deux sessions complètes euh, à temps plein dans les milieux de stage, donc deux fois 15 semaines de stage, euh, une session complète euh, en nutrition euh, clinique ou en soins de première ligne ou en soins euh, auprès des personnes euh, âgées et une session en, euh, qui est euh, répartie là, sur trois stages. De cinq semaines en euh, stage à option, en stage en gestion des services alimentaires ainsi qu'en stage en éducation, en nutrition ou en euh, santé publique. Et si vous souhaitez faire votre programme sur quatre ans, vous devez faire quand même vos cours obligatoires aux sessions qui sont proposées, mais vous pouvez retarder tout les, le suivi des cours à option à la... À la fin de la quatrième année, donc euh, à la fin, à, après les stages, et euh, justement là, avoir peut-être des sessions un petit peu moins euh, chargées pour faire votre programme là, sur quatre ans. C'est possible aussi, mais les cours obligatoires doivent se suivre là, aux sessions qui sont euh, proposées. Hmm. Ils doivent se suivre aux sessions proposées parce qu'on a, c'est une, une approche qui est distincte là, à l'Université Laval. C'est l'approche programme qui euh, vise, qui cible le développement des compétences comme les autres programmes des sciences de la santé. On a cette approche-là depuis l'automne 2020 et c'est très, très apprécié par nos étudiants. On, on y a travaillé là, pendant plusieurs années avant là, de, de proposer ce nouveau programme-là. Donc, c'est un programme qui, qui intègre le référentiel canadien des compétences intégrées pour l'enseignement et la pratique de la diététique, qui, est défini là, qui définit la norme d'entrée de dans la profession pour une pratique professionnelle sécuritaire, efficace et éthique. Mais c'est aussi un programme qui prend en considération là, les normes des compétences professionnelles de notre ordre professionnel. Ça, c'est super intéressant, cette approche-là, parce que on travaille plus les profs en silo toutes les notions sont intégrées par exemple dans l'ancien programme on avait toutes les cours de sciences biologiques dans la première session on faisait tous nos cours de bio physio anatomo patho première session biochimie par la suite là on entamait plus les cours disciplinaires en nutrition dans les sessions qui suivaient mais on se rendait compte que les étudiants oubliaient leurs notions et étaient peut-être moins Capable d'intégrer ces notions-là avec les no le, le, le traitement nutritionnel. Donc, on a tous tout intégré ça maintenant. Euh, les étudiants ont les cours de sciences biologiques. Qui, euh, qui ont trait, par exemple, au système cardiovasculaire ou au système endocrinien. Puis, en même temps, ils ont leur cours de nutrition en lien avec euh, l'approche nutritionnelle pour euh, la prise en charge des maladies cardiovasculaires, puis la prise en charge du diabète. Donc, c'est tout intégré. Euh, c'est super intéressant, puis ça permet justement un meilleur apprentissage, puis une meilleure préparation aussi pour euh, l'entrée dans la profession. Mm. Donc, je l'ai mentionné brièvement, mais au niveau de la formation théorique, vous avez une solide base en sciences biologiques. Donc, c'est certain, comme je le disais tantôt, euh, la, la pratique de la nutrition est basée sur les données probantes. Il faut comprendre comment les nutriments vont avoir un impact, les nutriments qu'on mange vont avoir un impact dans notre corps humain, puis comment ça peut affecter, oui, le risque de maladie, mais aussi le rétablissement vers la santé. Donc, il y a des cours en sciences biologiques qui sont donnés à pratiquement toutes les sessions. On a des cours, évidemment, en sciences des aliments. Hein. L'aliment, c'est la base de notre alimentation et c'est l'outil de prédilection des nutritionnistes. Donc, évidemment, vous allez jouer, travailler avec les aliments, vous allez avoir des laboratoires pra pratiques où vous allez pouvoir expérimenter euh, des recettes avec des textures modifiées, euh, des recettes enrichies, des recettes euh, réduites, par exemple en sodium, en gras, puis voir qu'est-ce que ça donne. Hein? Puis si vous avez à proposer ça à votre, à votre client, mais vous, vous l'aurez expérimenté avant et vous serez en mesure de, mieux, de proposer des meilleures options. Euh, évidemment, on a des, des cours théoriques là, sur euh, les, les aliments. On a aussi des formations euh, en lien avec la nutrition normale. Donc, les besoins en nutrition, euh, pour, en nutriments pour euh, différentes catégories de clientèle, euh, pour euh, les, les nourrissons, pour les femmes enceintes, pour les personnes âgées, les ados, euh, les sportifs, les végétariens. Donc, ça, c'est tout ce qui est en lien avec la nutrition normale. Vous avez des cours en lien avec ces, euh, ces clientèles-là, mais aussi la nutrition thérapeutique, parce que la plupart des nutritionnistes vont pratiquer dans les Milieux hospitaliers, ou en tout cas une grande proportion. Et euh, les nutritionnistes sont vraiment importantes là, au sein du réseau de la santé euh, pour, le comme je le disais tantôt, le, 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 le maintien et le rétablissement de la santé, donc la malnutrition, tout ce qui est en lien avec les, pro, les problèmes de dysphagie ou de déglutition, par exemple, suite à. Un patient qui aurait fait un accident cérébrovasculaire, il, souvent, il peut avoir de la difficulté à avaler et euh, il faut une alimentation qui est adaptée. Donc, la nutritionniste va entrer dans le dossier. Euh, C'est important d'avoir toutes ces... Euh, Ces cours-là. On a aussi beaucoup de cours en lien avec le soutien nutritionnel euh, par rapport à la nutrition. Donc, je parlais tantôt de la nutrition entérale. Il y a des patients qui ont des besoins spécifiques, des nourrissons avec des, des, des laits spéciaux anti-allergènes, etc. Donc, euh, ça, c'est de des notions là, qui sont enseignées au sein du programme. Il y a aussi des, des, euh, une forma, de la formation en lien avec la nutrition en santé publique. La nutrition en santé publique, c'est euh, la nutrition qui s'adresse au, au groupe, à la population et pas juste à l'individu. Donc, toute le, la, 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 la démarche d'intervention, toute la, la communication des messages vers la santé. Donc, ça, c'est toutes des. Vous avez là, trois cours spécifiques là, en nutrition en santé publique au sein du programme. On a des cours de gestion et plus particulièrement des cours de gestion du service alimentaire, donc des cours de gestion des ressources humaines. Plusieurs des nutritionnistes vont... Euh, vont avoir des fonctions de gestion du personnel, gestion des ressources humaines. Donc, il y a de la formation dans le programme en lien avec, avec la gestion. Et comme euh, la gestion des services alimentaires, c'est un secteur de pratique de la nutritionniste, soit dans les milieux hospitaliers, soit dans les CHSLD, donc de s'assurer que l'offre alimentaire pour la clientèle soit euh, nutritive, qu'elle soit adaptée aussi à la clientèle. Ça prend des nutritionnistes. Pour, pour remplir ces, ces rôles-là. Donc, vous avez une formation euh, sur ce secteur de pratique -là. Évidemment, la communication, c'est un aspect important de la nutrition, de la nutritionniste. On a un nouveau cours en première session qui s'appelle Principes de communication euh, de, euh, liés à la nutrition, euh, donc euh, qui vous présente les bases de la communication en nutrition, mais aussi vous avez la possibilité euh, d'aller chercher des cours à option dans ce secteur-là, mais également tout au long des cours de soins de nutrition en santé publique, de nutrition normale, nutrition thérapeutique, on aborde aussi l'entrevue, la façon de communiquer avec un patient, etc. Puis on voit en même temps tout l'aspect de la science du comportement parce que euh, certains de nos clients, des, des patients vont devoir faire des changements importants dans leur vie s'ils veulent maintenir ou rétablir leur santé. Donc, il faut les inviter, les inciter à changer certains comportements. Donc, on a des cours euh, en lien avec ça, puis en lien avec la science aussi du, euh, du comportement, puis de la psychologie euh, et aussi. On travaille souvent dans les milieux avec d'autres professionnels de la santé. Ça peut être des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des pharmaciens. Donc, on a des cours, trois cours en fait, au sein du programme en collaboration interprofessionnelle avec les étudiants de ces disciplines-là, où vous apprendrez les rudiments de la collaboration interprofessionnelle et vous pourrez les mettre en pratique justement dans ces cours-là, mais également lors d'une activité euh, qui est offerte par les trois programmes d'ergothérapie, euh, oui, d'orthophonie et de nutrition, où vous aurez à, à un atelier euh, en collaboration interprofessionnelle plus vers la fin du programme en lien avec la dysphagie la prise en charge d'un patient qui présente de la dysphagie et euh, tout le traitement, puis l'approche euh, vraiment interdisciplinaire là, pour euh, la prise en charge euh, de ces patients. Au niveau des approches pédagogiques, donc on travaille avec les travaux individuels, beaucoup de travaux d'équipe, les techniques d'entrevue, des études de cas, évidemment. Discussions en classe sont bien favorisées. Euh, moi, dans mon cours, j'enseigne la nutrition en santé publique. S'il y a un sujet d'actualité en nutrition, puis il y en a quand même beaucoup à chaque année, à, presque à chaque semaine, en fait, on, on entend parler de la nutrition, on apporte ce sujet-là d'actualité, puis on en jase, on en discute. Euh, on, on, on émet des opinions, euh, puis on, on a des débats aussi en classe en lien avec des problématiques de santé publique. On a des laboratoires d'expérimentation alimentaire. Puis ça, si vous allez visiter nos installations au Pavillon Comtois, vous pourrez euh, les visiter. Des projets de session euh, depuis euh, l'automne la, passé, les étudiants doivent réaliser. Un, un atelier d'éducation en nutrition et une intervention dans une école primaire avec des groupes du primaire et faire une activité culinaire aussi avec les enfants. Puis ça, c'est un projet qui s'étale sur deux sessions. C'est super intéressant. Puis là, dès cette année, les étudiants devront développer leurs recettes qui vont euh, travailler avec les enfants, qui vont euh, mettre en œuvre avec les enfants à la session prochaine. fait que C'est vraiment extraordinaire. Euh, on a aussi, euh, l'année passée, il y a des étudiants qui sont allés, euh, qui ont travaillé avec des organismes communautaires euh, pour euh, développer. Des projets de frigo partage. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets qui sont en lien direct avec la communauté. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est en contexte réel. Donc, vous êtes à même de. Ce n'est pas un travail théorique. Là. Vous travaillez vraiment avec des populations, des clientèles qui sont vraies, qui, qui ont des besoins réels. Et ça, c'est très, très valorisant pour les, les étudiants. Évidemment, vous avez des stages aussi à réaliser, comme je le disais tantôt. Euh, et aussi des activités simulées. Et toutes ces méthodes-là permettent de soutenir le développement des compétences. Au niveau de la formation pratique, j'y ai fait référence un petit peu là, pendant ma présentation. Il y a des visites de milieu de travail. Donc, dès la première année, vous allez visiter un centre hospitalier, vous allez visiter le service alimentaire, vous allez visiter les unités de soins. Euh, vous allez faire des entrevues aussi avec des nutritionnistes. Euh, il y a plusieurs activités là, de formation pratique, des jeux de rôle. Euh, donc, vous allez pratiquer l'entrevue, vous allez pratiquer aussi l'évaluation des apports alimentaires avec vos collègues, on change de rôle, vous faites le patient, votre collègue fait la nutritionniste. Donc, ça, ça se fait dès le début là, de la formation. C'est super intéressant des stages obligatoires en milieu hospitalier, donc dès la deuxième année, à la troisième et à la quatrième année. Comme je disais tantôt, deux stages à option où vous avez la possibilité de remplacer ces deux stages à option-là par un stage professionnel interculturel et international. Mais malheureusement, à cause de la pandémie, on avait vraiment beaucoup d'intérêt pour ce stage-là, puis on a dû les annuler. On espère que ça reprendra là, euh, dès euh, l'été prochain. Euh, en 2023, on a plusieurs pays, plusieurs ententes avec plusieurs pays et on a à chaque année 4 à 10 étudiants qui partent à l'international pour faire un stage. Les cours stages sont crédités, mais ils ne sont pas rémunérés. Mais ils, font, ils sont nécessaires, essentiels à votre formation, parce que pour obtenir votre diplôme, vous avez besoin de faire un certain minimum d'heures en stage, mais le programme s'en charge. Et puis, si vous n'avez pas à trouver vos stages vous-même. C'est l'université qui identifie des milieux qui vont répondre aux objectifs des stages. Donc, ça, ça facilite votre tâche également. Donc, euh, il y a beaucoup de stages qui se font dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, donc soit au CHU de Québec, à l'IUCPQ. Je ne sais pas si vous venez de la région euh, de Québec. Moi, je viens de la région de Gatineau, donc euh, je ne connaissais pas du tout ces milieux-là quand je suis arrivée euh, à faire ma, ma, ma formation ici à l'Université Laval. Mais euh, les, euh, les hôpitaux, là, les centres hospitaliers majeurs de la région, c'est le CHU de Québec, l'IUCPQ. Il y a également le CIS Chaudière-Appalaches, l'Hôtel-Dieu de Lévis, qui accueille aussi comme un bon nombre de nos euh, stagiaires. Il y a aussi euh, euh, des étudiants qui vont faire leur stage en euh, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, là, les CIUS et les CIS de Capitale nationale, chaudière appalaches Donc, ça, c'est les directions de santé publique, les CLSC, les CHSLD. On a aussi des stages en pratique privée avec des organismes communautaires, mais également avec des entreprises. Ça, c'est des, des ententes que nous avons. Et on va avoir aussi, là, dans les prochaines années, des stages avec des communautés autochtones. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça, c'est assez euh, récent au sein du programme. Ça, c'est quelques photos là euh, qui montrent. Euh, les, euh, les étudiants en stage professionnel international et interculturel. Ça, c'était un stage qui a été réalisé au Sénégal il y a quelques années. Donc, on a des ententes avec des centres de nutrition d'Afrique de l'Ouest, d'Haïti, euh, du Nunavik, de la Baie-James, de l'Inde, de l'Indonésie. Oui, ça, c'était nos, euh, nos dernières ententes qu'on a. Ça, ça, ça évolue à chaque année, mais c'est en général, c'est assez représentatif. Ici, c'est un projet qui a été réalisé sur une période de deux ans. Elle était 2017 et 2018, le projet là, ACOSA en Haïti, qui a été réalisé en contexte interdisciplinaire avec d'autres disciplines là, de la faculté des sciences, de l'agriculture et de l'alimentation. Ça a été un stage très enrichissant aussi pour nos étudiants. Et souvent, c'est des stages qui, euh, qui sont avec des clientèles, là, des, des familles, des mères avec leurs, leurs bébés, leurs enfants. Donc, euh, c'est très intéressant. Donc, ça, c'est le, le stage justement en 2018 qui a été réalisé au Sénégal avec agronomie et euh, sciences de la consommation. Ça, c'est des images du stage interculturel qui a été réalisé à la Baie-James. Qu'est-ce qui est intéressant? Oui, c'est une expérience professionnelle vraiment enrichissante, mais aussi personnelle parce que euh, les étudiants sont vraiment en immersion là, dans la culture euh, du pays ou de la région où ils vont. Donc, c'est très, euh, très riche là, pour euh, les étudiants. Ils en retirent beaucoup d'apprentissage. Il y a d'autres exemples de stages à option et je veux quand même les mentionner parce que je pense que ça, c'est une, une des particularités de l'Université Laval. On est un groupe de professeurs, on est rendu euh, 16 ou euh, 17 professeurs à l'Université Laval en nutrition à l'école de nutrition et nous sommes très actifs en recherche. Euh, donc on a des chercheurs qui sont euh, reconnus dans leur domaine de recherche au niveau oui québécois, mais canadien et même à l'international. On a trois de nos professeurs qui ont des détenteurs de chaires d'excellence de recherche du Canada une en génomique nutritionnelle, qui est la professeure Marie-Claude Vaule. une en chaire de recherche sur le microbiome et l'endocannabinoïdome, c'est le professeur Vincenzo Di Marzo, et il y a aussi deux professeurs qui sont associés à cette chaire-là, qui est le docteur Alain Veilleux et euh, Frédéric Raymond, et on a aussi le titulaire de la chaire de recherche en chirurgie bariatrique et métabolique. Qui est le docteur André euh, Tchernoff? Ce sont des experts reconnus mondialement dans leur domaine. Et ces profs-là, là, même s'ils font beaucoup de recherche, ils enseignent aux étudiants. Ils enseignent un cours, ils sont présents avec vous minimalement, une session complète. Ils peuvent aussi vous accueillir dans des stages de recherche. Et euh, ça, je pense que c'est une particularité importante aussi au sein de l'Université Laval. Au sein du programme de baccalauréat, l'Université Laval, c'est qu'il y a pas beaucoup de chargés de cours, c'est vraiment les professeurs qui vous enseignent vos cours. Donc, c'est d'autant plus intéressant parce que les profs font leurs recherches et vous êtes souvent les premiers à entendre parler des résultats. Donc, vous êtes aux premières loges des avancées scientifiques dans le domaine de la nutrition. On a aussi la chance d'avoir un centre euh, qui est unique au Québec et unique au Canada, qui est le centre Nutrition, Santé et Société. Dans lequel moi je fais partie. Euh, il y a ces trois axes de recherche en plus fondamental, qui va de la nutrition fondamentale et personnalisée jusqu'à l'application de la recherche en nutrition auprès de la société et de la population. Euh, et on a aussi la possibilité de faire des stages de recherche à l'IUCPQ dans le domaine justement de l'obésité et de la nutrition et le cerveau. Et des stages au sud de Québec, euh, principalement dans le domaine de la santé euh, mère-enfant. Donc, c'est vraiment intéressant euh, et euh, c'est un. Euh, il y a plusieurs aussi de nos étudiants qui, après leur programmes de baccalauréat en nutrition vont poursuivre vers la maîtrise et même peut-être après vers le doctorat en nutrition, qui sait, mais on a à peu près le 20 à 25 des étudiants qui vont poursuivre vers la maîtrise en recherche avec l'un de nos professeurs chercheurs. Au niveau du marché du travail, donc là, j'ai euh, parlé plus de la profession, j'ai parlé plus du programme. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus euh, des possibilités d'emploi. Euh, moi, quand j'ai fait mon programme de baccalauréat en nutrition, les perspectives d'emploi étaient très faibles, euh, pas nulles, mais quand même très faibles. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, les nutritionnistes ont le choix, les, les finissantes ont le choix de l'emploi qui souhaitent. Avant même, on disait qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités dans les grands centres à Montréal, à Québec. Ce n'est plus le cas. Même à Québec, on recrute, on recrute, on recrute. Euh, donc, les, les possibilités d'emploi sont, les perspectives d'emploi, elles sont excellentes. Il y a quatre principaux secteurs de pratique. Donc, les finissants vont travailler soit en nutrition clinique, en nutrition en santé publique, en gestion des services alimentaires ou dans l'industrie agroalimentaire et biopharmaceutique. On a aussi là, des nutritionnistes qui vont travailler dans le domaine de l'enseignement, comme c'est mon cas euh, dans l'enseignement universitaire, mais on a aussi là, des nutritionnistes qui vont travailler dans l'enseignement collégial à la technique en diététique, par exemple, et aussi dans le domaine de la communication. Vous en connaissez certainement. Euh, Plusieurs là, qui sont dans le domaine de la communication, dont Karine Gravel et Hélène Lorando aussi, qui sont des nutritionnistes qu'on voit aussi assez fréquemment là, dans, dans les médias. Ça, c'est des données, bon, plus très récentes, mais c'est les plus récentes que nous avons pour le moment. C'est des données du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de 2019 qui a fait un sondage auprès des diplômés de 2017. Donc, ça fait déjà cinq ans, mais à ce moment-là, le taux de placement était très élevé avec plus de 90%, 93%. On a aussi euh, 72% qui étaient des emplois salariés permanents. Euh, il y en avait 84% qui avaient des emplois vraiment directement liés avec la formation. Ils travaillaient en moyenne 37 heures par semaine. Et le salaire moyen de début de carrière deux ans après l'obtention du BAC était de 46 000. Ça va changer parce que je sais que dans les milieux, il y a eu des, des accords là, en lien avec le syndicat. Là, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je sais que les, le salaire euh, va, euh, va euh, augmenter. Donc, au niveau de l'admission, euh, en 2021, donc à l'automne dernier, nous avons eu euh, 247 demandes d'admission. Nous avons fait 170 offres pour 74, c'était 75 étudiants. En fait, on a 75 places, mais il y a une étudiante là, qui s'est désinscrite, je pense, dans la première semaine. Donc, on a 75 places. Euh, la cote de rendement collégial du dernier collégien était de 29,057, dernier universitaire autour de 27. Et on a aussi des places pour le technicien, les techniciens en diététique. Donc, la cote de rendement collégial était de 27. En fait, le dossier académique n'est pas le seul critère d'admission. Euh, ça, c'est unique à l'Université Laval. La cote de rendement compte pour 70 de votre dossier d'admission et vous devez aussi compléter le test de juge. Le test de jugement sessionnel Casper, vous devez vous inscrire directement sur le, le site de Casper et ce, ce test-là compte pour 30 de votre rendement. On a vu dans les médias, dans les derniers jours, beaucoup de préoccupations en lien avec la, la cote R. Bien, je peux vous dire qu'ici euh, à l'Université Laval, bien, ce n'est pas seulement, on, on considère que c'est aussi important de considérer vos compétences transversales d'éthique, de communication, de jugement. Donc, le test Casper compte pour 30 de votre euh, dossier d'admission. Donc, on a 75 places. Quatre places sont réservées aux détenteurs de DEC en technique diététique il y a une place qui est réservée depuis l'année passée à un candidat qui a une cote de rendement égale ou supérieure à 27 mais qui a à la fois le statut de résident du Québec et celui des Premières Nations ou des Inuits. Donc ça c'est nouveau depuis l'an dernier. Et on a, c'est ça justement, réservé cette place-là. Puis c'est bien parce que nous avons maintenant des milieux de stage en milieu, en milieu autochtone. Et ça, je suis vraiment très fière de vous annoncer ça. C'est tout nouveau, tout chaud là. On a eu la confirmation il y a à peine dix jours. On a une place réservée à un candidat ou à une candidate athlète identifiée par le Rougéard ou à ou un, une athlète d'élite qui est encadrée par une fédération sportive qui se qualifie le selon les règles d'admission en vigueur puis qui aurait une cote de rendement égale ou supérieure à 27. Pour les candidats qui auraient déjà déposé votre demande d'admission, ne vous inquiétez pas, on va communiquer avec vous pour vérifier si vous faites partie là, de cette catégorie de euh, candidats-là. Donc, euh, ça c'est vraiment intéressant. On est un des, euh, des il n'y a, a pas beaucoup de programmes encore là, à l'Université Laval qui réservent une place là, à un candidat athlète du Rougéard ou euh, encadré par une fédération sportive. On est très fiers de ça. Donc, si vous êtes malheureusement refusé, ben, il y a possibilité de faire un troisième choix. Par contre, vous ne pouvez pas faire un choix dans un programme contingenté. Cibler un programme d'études qui vous intéresse, c'est toujours plus facile d'avoir des meilleures notes. Puis après ça, réappliquer dans notre programme si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé. Mais vous allez euh, finir là, par, euh, par pouvoir être admis si vous avez des, un, quand même un bon dossier académique. Mais il faut que vous fassiez des cours dans un programme qui vous intéresse. Ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Euh, donc, si vous n'êtes pas admis en 2022, vous pourrez faire une nouvelle demande en 2023. La date limite est le 1er mars pour tous les candidats. Si vous avez fréquenté un programme universitaire entre-temps, ben, le, le calcul de votre code R va en tenir compte en fonction du nombre de crédits. Donc, ça va être fondé, pondéré en fonction du nombre de crédits que vous avez euh, suivi à l'université. Et finalement, euh, je terminerai en vous mentionnant l'importance de l'implication dans la vie étudiante euh, au sein euh, de, de... parmi nos étudiants. C'est quelque chose qui est valorisé, oui, à l'université. On a une politique officielle de reconnaissance de l'implication étudiante, mais c'est aussi... Euh, euh, fortement encouragé au sein du programme. Il y a différentes possibilités pour s'impliquer euh, et on croit fermement que ça permet de développer vos compétences qui sont complémentaires à votre formation. Ça permet de rencontrer aussi euh, des gens du milieu, euh, de favoriser votre réseau de contacts. Donc, vous pouvez vous impliquer dans les différentes associations étudiantes, la CADEL, la GETAC, le RAESSUL, euh, l'Association des, euh, des étudiants en nutrition de l'Université Laval, mais aussi là, via le défilé de mode Santé le style, le menu aussi qui est une compétition interuniversitaire, le bureau d'entraide en nutrition qui sont hyper actifs, super dynamiques. Là, je n'ai pas mis d'image, de, de, mais vous pouvez aller sur leur site web. Ils font des publications euh, officielles dignes d'un magazine. C'est nos étudiants en nutrition qui font ça. On est super fiers de ça. Euh, C'est euh, vraiment très, très enrichissant là, pour euh, les étudiants. Il y a aussi la, le Salon de l'agriculture et de l'alimentation et de la consommation qui est une initiative étudiante facultaire, que nos étudiants en nutrition participent. Donc, il y a plusieurs possibilités. De, de s'impliquer et c'est hautement valorisé. Vous pouvez même, là, si vous avez accumulé un certain nombre d'heures d'implication dans la vie étudiante, vous faire créditer un cours là, à option de trois crédits euh, sous euh, même, euh, il faut que ça soit autorisé. Là, il, y a une, il y a une procédure, une démarche à faire, mais euh, c'est possible d'avoir un, un, un cours de trois crédits qui est euh, qui est crédité là, par votre implication étudiante. Donc voilà, ça compléterait peut-être ma présentation. Euh, peut-être vous mentionner, j'ai parlé de l'implication étudiante brièvement au niveau des installations. Euh, là, les, le programme est euh, en présentiel. Là. Bon, c'est certain, avec la pandémie, on s'est un petit peu adapté. Il y a eu des, des sessions qui ont été en virtuel. Ensuite, de on a passé vers une transition comodale. Mais les cours, maintenant, sont tous revenus en présentiel euh, dans nos locaux euh, qui sont euh, où vous avez la possibilité de brancher vos ordinateurs. Donc, euh, il y a des, des salles aussi pour faire du travail d'équipe. On a euh, les laboratoires. Pour expérimenter, pour expérimenter au niveau de l'alimentation, etc. Euh, et on a une cafétéria qui est récemment rénovée également avec euh, euh, des installations qui sont tout près du jardin Van Den en, qui est le jardin universitaire. Euh, donc, l'été, c'est vraiment intéressant. Il y a un potager, vous pouvez aller vous promener. Euh, donc, c'est vraiment un super milieu là, pour, euh, pour étudier et euh, aussi pour vivre votre expérience. D'étudiants universitaires. Donc voilà, ça complète euh, ma présentation. Euh, je vous avais mes coordonnées, euh, donc mon courriel. Si vous voulez euh, me contacter, vous pouvez aussi contacter là, en tout temps euh, la gestion des études de la faculté en communiquant avec le FSAA à commercial. Fsaa euh, ils peuvent répondre également à vos questions en lien avec euh, votre admission, en lien avec le euh, programme, etc. Puis même, on pourrait vous référer aux besoins là, à des étudiants euh, du programme. J'aurais aimé ça vous voir en personne. Hein, Ce n'était pas encore possible. Euh, Peut-être qu'on aura la chance de se croiser là, euh, à l'automne prochain. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, qui souhaitent euh, poser des questions. Vous pouvez. Euh, Ouvrir votre micro, ouvrir votre caméra ou poser vos questions là, dans la boîte de clavardage. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Euh, oui, moi, je, je me demandais quelque chose. Allez-y, je vous écoute. Euh, oui, pour le, ben, en fait, pour les possibilités de stage. Là, oui. Euh, ben, je ne sais pas si vous pouviez revenir à. La diapositive, ce que vous présentiez le, le, un peu le cheminement. Là, oui. Avec les, les, les sessions. Là. Oui. Mm. Euh, je voyais pour en trois ans et demi, dans le fond, le dernier stage, est-ce que c'est possible de, mettons, le faire directement après le deuxième stage? Ou c'est vraiment. À l'été? Oui. Euh, c'est possible plus ou moins, je dirais. En fait, euh, les milieux. Des... Il y, a, il, y a, il y a certains accommodements qui peuvent être possibles, mais ça prend des raisons vraiment exceptionnelles parce que euh, en mai, juin, juillet à août, euh, ben, mai, juin, il y a les stagiaires de deuxième année qui sont dans les milieux, donc les milieux hospitaliers ne peuvent pas recevoir en même temps là, les stagiaires de deuxième année et de troisième, quatrième année. Et euh, par la suite ce qui se passe c'est qu'en juillet ou les nutritionnistes qui vous supervisent parce qu'évidemment vous êtes euh, accompagné de la nutritionniste du milieu, mais souvent c'est les vacances. Donc euh, c'est souvent assez difficile là, de trouver des places dans les milieux là, à l'été. Euh, je ne l'ai pas mentionné, mais on, oui, on a la plupart de nos stages qui sont faits dans la capitale nationale, et je veux dire, à mais il y a aussi, on a aussi certaines ententes là, avec des régions, euh, donc le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, Trois-Rivières, Sherbrooke également qui accueillent nos stagiaires. Des fois, il y a des ententes particulières qui peuvent être faites. Pour ces milieux-là euh, qui sont différents de qu ce qu'on voit là, euh, dans la région de la capitale nationale ou de Chadir-Appalache. C'est vraiment dépendamment euh, de la capacité d'accueil, en fait. Non. OK, parfait, merci. Puis j'avais une autre question concernant oui, elle... le, le test Casper. Oui. Euh, je me demandais si 30 70 mais est-ce que le test Casper peut être éliminatoire, par exemple? Non, il n'est pas éliminatoire. Nous, on, je sais qu'il y a des programmes que c'est comme ça. Là. Si vous n'avez pas bien réussi à votre test Casper, vous êtes éliminé. Ce n'est pas le cas. Nous, c'est vraiment une pondération. Donc, c'est votre, euh, votre score au test Casper qui compte pour 30 et votre score euh, lié à votre code R qui compte pour 70 Donc, ça, ça nous fait une note totale sur 100. D'accord. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'ai une question, est-ce que ce diplôme aura une reconnaissance internationale? Je n'ai pas malheureusement la réponse exacte à votre question. Par contre, ce que je peux vous dire, au niveau canadien, il y a un accord de mobilité interprovince. Donc, si vous rencontrez les exigences de pratique au Québec, vous pouvez après ça pratiquer dans une autre province, mais vous devez quand même vous inscrire à, au collège ou à l'ordre professionnel de cette province-là. mais vous n'avez pas à, à démontrer euh, le, le, la réussite des exigences par exemple en repassant le test d'admission. au Québec, on est la seule province qu'on n'a pas le test d'admission à passer. Euh, mais au niveau international, euh, on en a eu des stagiaires, des, des étudiants provenant de d'autres pays par le passé. Puis je ne pense pas qu'il y ait eu de difficultés à exercer leur profession dans d'autres pays, mais je ne pourrais pas répondre là, euh, avec exactitude ou avec certitude à votre question. Puis à ce moment-là, vous pourriez possiblement avoir la réponse en vous adressant au pays euh, pour voir c'est quoi les exigences de pratique dans ce pays-là. Euh, Peut-être vous donner aussi un élément de réponse en lien avec comment ça se passe au Québec. Là. Un candidat de l'étranger qui souhaite pratiquer au Québec doit faire une demande à l'ordre professionnel. Et euh, l'ordre professionnel va émettre des exigences de formation pour pouvoir pratiquer au Québec. Et souvent, ces candidats-là reviennent vers les universités pour compléter leurs exigences. Donc, peut-être que c'est possible que ça fonctionne de cette façon-là, dépendamment là, du pays qui est, euh, qui est ciblé. aussi, là, tantôt, je vais juste donner un petit élément là, pour vous parler de notre gang avec qui on travaille, là, euh, les profs de l'école de nutrition. Je pense que quand vous les rencontrez, vous voyez tout de suite qu'il y a une très, très belle énergie, synergie entre nous tous. Euh, J'aime dire qu'on est un mélange de sagesse, de jeunesse, de dynamisme, d'expérience. Euh, mais on travaille tous et toutes en étroite collaboration. Et je pense que ça, c'est ce qui fait aussi notre unicité euh, à l'Université Laval. C'est vraiment la dynamique très collégiale du corps enseignant et du corps professoral. Et ce sont des gens extrêmement passionnés, euh, oui, de nutrition, mais de recherche, d'enseignement. Euh, la plupart de nos profs ont tous fait des... Euh, formation en pédagogie universitaire malgré leur temps qui est consacré à la recherche. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment aussi un aspect important à vous mentionner. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais, euh, je vais euh, vous, euh, vous laisser aller vaquer à vos autres occupations et n'hésitez pas là, à me contacter. Je vais remettre ma, la diapositive à la fin. Vous avez mes coordonnées. J'espère que ça a permis de répondre à vos questions et vos interrogations, puis que ça vous donne le goût là, de. De vous joindre à, à nous, à notre équipe, puis à vos collègues étudiants. Et puis, au plaisir, peut-être de se recroiser. N'hésitez pas à venir me, me faire un coucou là, si vous êtes parmi nous à l'automne prochain ou l'autre année d'après pour dire hey, j'étais là à la journée porte ouverte. Donc, ça me fait toujours plaisir là, de, de vous revoir. Fait qu'au plaisir, bonne journée à tout le monde.